La langue aussi est comme une flamme. C'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Notre langue met le feu à notre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille et elle est pleine de poison qui donne la mort. Avec la langue, nous chantons la louange de notre Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous jetons des malédictions aux êtres humains que Dieu a fait à son image. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et mes sœurs, cela ne va pas. Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce et de l'eau amère? Est-ce qu'un figuier peut donner des olives? Est-ce qu'une vigne peut donner des figues? De même, une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce.